Mesdames, Messieurs, bonjour. Ladies and gentlemen, it's a pleasure to welcome you for this conversation. You know the rules, they are extremely simple. There will be a short introduction, one project presented, a few questions to the panelists, and then you will have the floor. If you want to intervene in the floor, I will be extremely strict. Just a few seconds to each of you willing to speak. We'll take, let's say, four questions. You can have a comment, but no more than 1 minute to each of you, just to leave the possibility of a good conversation with the panelists. Now, I want to welcome the three panelists. Radia Bakush, she is the president of Coexister. Ulrich Nitschke is the head of the sector program Values, Religion and Development of the Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Sorry for my German. And Joseph Meiler, who is a professor of geopolitics at the ESSEC and expert of the Organisation Internationale de la Francophonie. Thank you for those three panelists. They will have time to work in a few moments. Let me start this conversation with a brief historical record. Nobody could dispute that 20 years ago, such a conversation organized under the auspices of the French government or any other on the theme of interreligious dialogue and identity conflicts would have been strictly unthinkable. Personalities like John Wolfensohn, president of the World Bank from 1999 to 2005, and Catherine Marshall, who worked with him, made possible in their fight against poverty, corruption, and HIV/AIDS, engaged by the World Bank and which allowed the definition of the Millennium Development Goals, that faith-based organizations were considered as possible partners. A ban was thus lifted up. It was a real revolution, or perhaps more prosaically, the victory of pragmatism. This revolution wanted recognition of the role played by faith-based organizations as service providers in the fields of education, health, social security, and especially women and children. It was also recognizing the capacity of faith-based organizations to mobilize at the national, regional, or international levels, especially on such important issues as hunger, social justice, or debt. Finally, the attention of faith-based organizations with ethical dimensions joined the search for the values of development and called for real collaboration. Such a revolution can be seen in the fact that today, a strategy called Religion as Partners in Sustainable Development is launched by a government, a secular government like the German government. That's a real breakthrough. On the side of the French government, you may remember that Bernard Kouchner, former Minister of Foreign Affairs, has created a religious department of the ministry. And a few weeks or months ago, the British government was organizing a forum in Rome under the title How to Engage Religion in Diplomacy. More globally, when you look at the work done by l'Organisation Internationale de la Francophonie, it is absolutely evident that shared values in culture includes religious values. It is in this open perspective that our conversation will unfold, even if we do so without any naivety. I keep in mind
The words of the Norwegian Prime Minister Kjell Magne Bondevik opening in 2002 a General Assembly of the Conference of European Churches, and saying that in his opinion, if for many religions added to the problems of the world, he felt himself that they were on the side of solutions to the problems of the world. And this is precisely the meaning of the question mark which appears in the title of our conversation. Is interreligious dialogue a solution to identity conflicts? There are probably two pitfalls here. The first would be to see this formulation as a victory for believers whose claims would finally be taken into account. The second pitfall would be to make religious values higher values that should prevail. Our problematic in this meeting is that of encounter and pluralistic dialogue. Interreligious dialogue, which is a dimension of intercultural dialogue. Or as we say in the Faroes Observatory that I preside, intercultural dialogue in which we refuse to ignore the dimension of the religious facts without overestimating them. So let us see now how it can go in our conversation through the experience of our panelists. The first one to speak is Ulrich Nitschke to present IDOV project. Ulrich, you have the floor. Thank you very much, Clément. It was a pleasure to be here. Let me start off by saying that today, as our good introduction described, religion can be a value source for real change, but religion in our media, in the presence, is actually misused to justify violence, hatred, segregation. So as the German strategy that the minister, Dr. Gerd Müller, launched in 2016 is clearly saying, where it is cause of the problem, it needs to be cause for the solutions. Meaning we have to deal with religious narratives, and we have to go back and see where the misuse, where the narrative starts to justify violence. That's the idea of IDOV. Today, 45 countries are affected by terrorist groups, by fragility, no governance, no rule of law. These 45 countries are basically in what some people call the chain of terrorism around the world. And the idea was it's linked to poverty, the traditional problems. And we said, no, it's not just linked to poverty. It's linked to a huge crisis of orientation, of values. Where are we heading to? Nationalism, neo-nationalism, populism is definitely affecting Europe in the same time. We saw that. I'm not mentioning countries because we don't do that, but all of you are aware of what is happening. The interface dialogue on preventing violent extremism, IDOV, is started together with the AU. They are present here, Iman Kaira from AU CEDAW. And we launched it together to make sure that we have one-third youth, young people, two-thirds from Africa. We launched it 1.5 years ago, trained them, community developers, media experts, vulnerable people, ex-engaged, what we call them, ex-radicalized people. We brought these three groups together to develop narratives to prevent violent extremism. So one of the success factors of this project is youth in the driver's seat. That was for us very important. You won't find big GIZ logo promoting of AU, whatever. You find IDOV always to be promoted. And this interface dialogue on violent extremism is driven by the youth, our first factor of success. I have 19 seconds, that's terrible. Second, Europe-Africa, to make clear that's not just an issue of inequalities and poverty. It is, as I said, an issue of deep crisis of orientation, of credibility into institutions, into politics. I think it's a serious issue. And that can only be developed by the ones who want to do the change.
and they are in the communities. The second is the three different entities, what I usually say. Community developers, people who are really on grassroots level, who do the change in their communities. Media communication experts, who develop narratives, YouTube videos. You have that all at our booth, actually, number 85. And the vulnerable groups, the target groups, the ones who have been formerly radicalized and who are now going to be de-radicalized and go for community development. These are the three success factors of IDOF. So far, we have trained 70 youngsters in the age of 18 to 35. They're now going on country level. We have trainings in Niger, in Niger. The next one will be in Liberia. We hope to have one in the MENA region. I stop here. Thank you very much. Thank you, Ulrich. Just a word to you. Don't be surprised. I may switch to French when the speaker will be French, but I think there will be no problem for you. If there is a problem, please say it. Radia, vous êtes la présidente de Coexister. La devise des coexistants est diversité de conviction, unité dans l'action. Comment est-ce que le programme IDOF, dont vient de parler Ulrich, résonne pour vous dans votre expérience de Coexister en France et ailleurs en Europe? Vous pouvez nous dire deux mots de Coexister. Et puis, une autre question tout de suite, un peu plus tricky. Est-ce que le fait de s'occuper des 15-35 ans veut dire que tous ceux qui ont plus sont sans intérêt pour vous quant à la coexistence? Merci beaucoup pour cette question. Je vais essayer de, pour ces deux questions, d'y répondre d'une même réponse, pour réagir également aux propos de Ulrich. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors déjà, à Coexister, en effet, on réunit des jeunes de 15 à 35 ans, mais on dit qu'il y a les jeunes, les nouveaux jeunes, et puis il y a les jeunes qui sont jeunes depuis un peu plus longtemps. Donc finalement, on agit pour toute la société, pour tous, pour tout le monde, et notre action, elle est vraiment dirigée à l'égard de toute la société. Donc c'est important aussi de le redire. Alors deux choses, ce que je trouve intéressant dans IDOV et ce qui résonne dans notre engagement à Coexister, et également pourquoi est-ce que toucher les jeunes, il y a une importance primordiale, déjà sur le constat. Sur le constat de la diversité, sur le constat de que faire de toute cette énergie spirituelle, que faire de toute cette énergie de diversité de conviction dans l'action. Vous le disiez tout à l'heure, cette diversité, elle existe et elle mène malheureusement à beaucoup de violence, d'où l'action de IDOV de prévenir l'extrémisme violent qui utilise à de mauvaises fins la question religieuse. La question de l'extrémisme violent nous vient beaucoup des ruptures. Chaque extrémisme violent peut s'expliquer par une notion de rupture. Et quoi de mieux pour résoudre les questions de rupture que la création de liens? Et la création de liens que vous avez choisi chez IDOV et qu'on a choisi à Coexister, c'est d'utiliser le moyen interconvictionnel, interreligieux. Et pourquoi est-ce qu'on a utilisé ce moyen? Parce qu'aujourd'hui, on a une diversité des convictions qui est extrêmement importante. On dit souvent que la France fait partie du top 5 des pays les plus divers en termes de proportion. On a vraiment énormément de convictions. Mais également parce que même si on parle beaucoup de sociétés sécularisées, de sociétés où la religion a moins d'importance, si c'est vrai que la pratique diminue, si c'est vrai qu'on parle moins de religion en tant que dogme, la pratique spirituelle ne fait qu'augmenter. On voit que chez les moins de 25 ans, la question spirituelle et la question de la foi et la question de la conviction ne fait qu'augmenter. Donc que faire de cela? Et c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquels on s'attarde, on s'attaque et on implique des jeunes de 15 à 35 ans. Ça, c'est extrêmement important. Utiliser cette énergie-là pour agir. Et la création de liens, elle se passe sur du temps long. Et je pense que ça aussi, c'est important. Ce n'est pas un one-shot, ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. Ce n'est pas quelque chose... La rencontre, la création de liens ne se fait pas ponctuellement.
Et je pense que c'est extrêmement important aussi dans cette dimension que IDOV met en place, c'est que le mutual understanding dont vous parlez, ça prend du temps, ça prend plusieurs projets. On prend le temps de la rencontre, on prend le temps de la conversion de l'identité dans la rencontre. Et à coexister, c'est ce qu'on dit, c'est que la paix ne se construit pas en un jour, le lien non plus, et on utilise le lien pour construire cette paix durable. Merci, Radia. Ulrich, I have another question for you. We have been speaking about IDOV project. Do you know, are the bottom-up projects going on, let's say, on the same line, facing this confrontation or this facing the between interreligious dialogue and identity conflicts? Yeah, there's a wonderful program that we benefited from, actually, and we started to cooperate. It was not so easy with UNDP, Journey to Extremism. I think that's a good example. They also went out, did some studies in the field, and interviewed combatants of ex-Boko Haram, ex-Lord's People Army in Uganda, which is using Christianity to justify their violence. So that exists. I wouldn't say, maybe the difference to IDOV is we really let the youth develop their own approaches and manuals to overcome it. So I think testimonies are very important because they tackle on religious narratives. But the more important is to overcome them and use them as a positive driver to change in the communities. And I must be very honest with you concerning funding. We rarely find the willingness of the main donors to go in such, what she described very perfectly, on mutual understanding, trust building, because in governance, this is a typical governance issue, and it's not so easy to show results immediately. And we know most of our funding structures, they want to see figures, and here, this we achieved immediately, and it's solved. It's not working like that. You know, if you work on religious narratives, on traditions, on cultural intercultural exchange, you have to work long term. And you start with trust building on the ground. And that's not falling from heaven, to use another religious term. That's something that really needs to be fought for. You know, and I think if you ask me, do you know another bottom up, top down, I think bottom up is very difficult, because to gain trust in local communities who have been affected by a drought, like in northern Nigeria. In northern Nigeria, we faced with 4.5 million so-called IDPs, internally displaced refugees. So what, you know, and then you start there, and we started there as well with the FBO mapping, what we call as a sector program, a faith-based actors mapping, to see with whom can you work. Because not each and every religious entity is, if I may say so, trustworthy to work with. Some generate in their backyard some corruption or religious extremism. Thank you very much. Joseph Maïla, merci d'être ici pour représenter ce vaste domaine de l'Organisation internationale de la francophonie. Les projets bottom-up sont-ils à la hauteur des défis identitaires que l'on connaît, par exemple, au Moyen-Orient, hein? Et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cette possibilité de faire face à ces conflits identitaires extrêmement violents et profonds? Merci, Monsieur le Président, de votre question. Une question complexe et difficile, mais laissez-moi réagir tout d'abord au projet d'Ulrich, parce que véritablement, sur ce point, nous avons véritablement un modèle à suivre. Le modèle, il est où? Il n'est pas tellement dans le bottom-up, qui est important, bien entendu,
parce que vous vous adressez directement aux acteurs potentiels les plus exposés à une radicalisation. Et donc, l'approche par les jeunes, qui a été, sur laquelle vous avez insisté, Nadia, me paraît extrêmement important. Mais je pense que nous sommes dans une synergie de convergence, à savoir que nous avons les acteurs de terrain, mais nous avons aussi toutes les actions qui se font autour. Et ce qui m'a frappé dans votre projet, Ulrich, c'est que, véritablement, vous avez cette convergence entre les médias, les jeunes que vous formez, et puis tous ceux qui sont des médiateurs autour d'eux. Alors, pour répondre plus directement à la question posée par notre président, je voudrais dire deux choses. D'abord, effectivement, que sur les conflits identitaires, nous avons le vaste monde de la culture qui arrive. Et là, l'expérience de la francophonie est passionnante. Pourquoi ? Parce que la francophonie est un ensemble de pays qui partagent la même langue, qui partagent aussi les mêmes valeurs, mais qui constituent, ce monde de la francophonie, une pluralité de cultures. Et donc, dans la culture, il y a la religion. C'est un élément fondamental et l'organisation l'OIF est une organisation laïque. Mais il y a une approche du religieux par le biais d'une culture qui peut devenir, à cause d'une interprétation dure et radicale de la religion, quelque chose qui peut mettre en danger le vivre ensemble. Et donc, là, la francophonie intervient de manière absolument... Je reviens d'une conférence à Fès où nous avons répertorié trois niveaux de radicalisation. Le premier, c'est la radicalisation des acteurs, qui peut naître d'une rupture, comme Radia a insisté là-dessus, des jeunes qui sont totalement déconnectés, et donc on est dans des acteurs qui sont potentiellement constitutifs de violence et qui vont intégrer des groupes comme Daesh, comme Boko Haram, comme tous les groupes que nous connaissons et qui portent une culture violente de la religion. Il y a deuxièmement le passage à l'acte, c'est-à-dire la prévention des comportements. Et il y a un troisième point qui me paraît fondamental et sur lequel la francophonie a beaucoup travaillé, c'est ce qu'on appelle la prévention tertiaire ou le troisième type de prévention. Une fois que vous avez supposément déradicalisé, parce que c'est un concept effectivement qui prête beaucoup à discussion, comment vous réinsérez ? Comment vous réintroduisez ces acteurs dans l'ensemble social ? Comment vous prévenez la rechute, si l'on peut dire, dans le comportement ? Et c'est là où on voit que des actions... Alors, à Fès, dans la Réunion, on a beaucoup insisté sur, au fond, cette convergence. Et donc, pour répondre directement à votre question, le bottom-up est nécessaire. Le travail de la société civile est fondamental. Les médias ont un rôle extrêmement important à jouer. Le dialogue interreligieux au niveau des jeunes est fondamental. Mais c'est vrai qu'on ne viendra pas à bout de cette situation sans l'apport aussi, mais on aura l'occasion de revenir là-dessus, d'organisations internationales. La francophonie, c'est dans sa charte. C'était inscrit à Bamako. Il fallait, dans la déclaration de Bamako étant une déclaration fondatrice de l'OIF qui a été faite en 2000. Il y a le dialogue et la tolérance. Et il y a la promotion du culturalisme et le respect de la liberté du culte. Donc la francophonie qui s'occupe de langue, qui s'occupe d'économie, qui s'occupe d'économie numérique, notamment aujourd'hui, qui s'occupe de prévention de la paix, en est arrivée par le biais de la culture à véritablement faire ce que Ulrich a beaucoup insisté sur le point, utiliser les ressources de la religion comme soft power, je reprends votre expression, Ulrich, pour précisément faire en sorte que nous puissions poser des digues au sein de l'éducation pour la paix face à cette radicalisation violente de la culture et de l'interprétation. Et un dernier mot, c'est vrai que la francophonie connote une identité, une identité francophone. Mais la question que nous nous posons à la francophonie, et notamment par le biais du pluralisme des cultures francophones, il y a 57 États, 58 États qui font partie aujourd'hui, à part les États observateurs, de la francophonie, c'est si l'identité sert précisément à dire qui vous êtes, il faut aller plus loin. Et il faut que l'identité nous aide à dire non seulement ce que nous sommes, mais ce que nous faisons avec les autres. Une identité qui ne s'ouvre pas sur l'altérité est une identité morte. Merci. Merci. Je veux passer, comment dire, au stade un peu plus élevé de notre réflexion. Est-ce qu'on peut envisager une réponse globale
interreligieuses aux conflits identitaires. Vous savez que ça a été un rêve à certains moments, certaines grandes organisations se sont créées pour cela. Et j'aimerais à chacun de vous vous demander comment vous participez, ou vous avez le sentiment de participer à une action plus globale, si toutefois vous l'estimez possible. Ulrich, you want to begin? Yeah, thank you very much. In answering your question, I would really love to pick up on what the heads of state presented yesterday, because I think that was a mind-boggling, outstanding moment of history. It's not just that we celebrate this friendship, Germany, France, and what our heads of state did, but in what Antonio Guterres said from the UN, there is no alternative to multilateralism. And I think that's the big challenge, to overcome the me first, my nation, my ethnicity, my religion first. This kind of first leads to nothing than to segregation, to sidelining people. And that's the totally opposite of what we all agreed as state, as United Nations on leave no one behind. Leave no one behind. The 2030 agenda is the opposite of me first. It means the other first. And this is what we can learn from religious tradition, from a lot of religions' traditions. 9 out of 10 people define their own beliefs according to their religious orientation. And in the secular world, we ignored that for more than 60 years. We thought with technical and financial support, we solve the problems of the world. Put more money into Africa and will be solved. We even ask our African partners, our Asian partners, other partners, please, can you leave your religion outside the room? Then we discuss our project. We agree on the indicators, how we measure success, and then you can go home and redress with your religious. This is not working. This is what we now realized very late. I hope not too late. But if we get into this intercultural, interreligious dialogue, because we are not there as secular institutions to promote religion, for sure not, but we must take it seriously that the population around us, the world population, and it's not like that. One of our secularism theses was like, as more development, as less religious the people get. Untrue. All the figures prove the opposite. People are not leaving their beliefs behind because of their technical or financial appraisal. They stay to their beliefs. For sure, they do. And this is what we have to learn in development cooperation, in foreign affairs, in policies. What we did, Germany not just launched this strategy, together with the UN, together with the World Bank, Islamic Development Bank now, we initiated a partnership, an international partnership on religion and sustainable development, PARD, Google PARD.international, then you're there. And that's an amazing new network, you know, where we try to professionalize our relation to so-called faith-based organizations. We convene not just multilateral organizations. We have the EU as observer, for instance. We also convene more than 75 big faith-based organizations, the ACT Alliance. ACT Alliance itself convenes 150 Protestant aid foundations, Buddhist Relief, Wash Alliance in India. So that's an amazing step into the right direction from my point of view to deal with religious entities and religious values more professional. Radia, votre jeune organisation, vous permettez cette appellation, a déjà une expérience internationale. Comment est-ce que vous la vivez? Comme une possibilité de globalisation? Nous sommes présents dans 5 pays aujourd'hui et on espère se développer dans les 10 prochaines années dans d'autres pays, là où l'action éducative de coexister pourrait être nécessaire. Je répondrai juste à votre question sur de quelle manière globale est-ce que le dialogue interreligieux peut être une solution à la question des conflits identitaires. La première chose, c'est que en tout cas en France, mais c'est une tendance qu'on voit un peu partout, c'est que oui, l'indice de tolérance augmente. Il y a de plus en plus de gens tolérants, oui. Mais en réalité, en parallèle de ça,
l'indice d'intolérance augmente aussi. Il y a peu de temps, le Premier ministre Édouard Philippe a rappelé qu'il y avait eu une augmentation de 69% des actes antisémites cette année. Donc l'indice de tolérance augmente et l'indice d'intolérance augmente. Comment est-ce que c'est possible ? C'est parce que l'indice des indifférents, enfin les personnes indifférentes, diminue. Donc on est face à une situation où on a un groupe d'indifférents que chaque groupe, les tolérants et les intolérants, essayent de rameuter à leur camp. Comment est-ce qu'on rameute des personnes indifférentes, des personnes qui ne considèrent pas l'interreligieux, l'interconvictionnel, la question de la diversité comme un enjeu essentiel, comme une urgence ? À coexister, la réponse globale que l'on fait, c'est que il faut que les personnes, même les personnes qui sont dans le camp des tolérants, apprennent à mieux vivre ensemble, soit dans l'apprentissage. La paix, elle ne se lit pas, elle ne se théorise pas, elle se pratique, elle s'apprend tous les jours, elle se comprend. On ne naît pas bienveillant, on travaille sur notre bienveillance tous les jours. Et plus il y aura des personnes qui auront appris à mieux vivre ensemble, qui auront appris justement l'équilibre entre identité et altérité, plus ces personnes-là réussiront à convaincre les indifférents. C'est la réponse globale que l'on fait au sein de Coexister. Merci, Radia. Joseph, il vous reste à peine 3 minutes pour aborder la question de la globalisation. Pour quelqu'un comme vous qui avez circulé dans le monde entier, qui avait été participant au ministère des Affaires étrangères, donc pour qui le monde est à votre porte à longueur de journée, comment est-ce qu'en 3 minutes on répond à une telle question sur la globalisation, l'interreligieux, les conflits identitaires? Merci, Monsieur le Président, de votre question. Je constate que je suis à 2 minutes 45, donc je vais aller extrêmement vite. Alors, sur votre question passionnante, la responsabilité globale du religieux au plan mondial, si l'on peut dire. Alors, il faut faire très attention. Il y a, au niveau international, ce qu'on appelle l'Alliance des civilisations, qui a été créée par les Nations Unies, sans être une institution, une organisation internationale à proprement parler, en 2005. Il y a la World Conference for Religion for Peace, qui est excellente et qui regroupe des responsables religieux. Mais je n'irai pas plus loin. Je ne voudrais pas qu'il y ait une organisation internationale, je ne peux pas la concevoir, mais c'est une opinion personnelle, qui soit une espèce d'institution de gouvernement ou de gouvernance religieuse du monde. On n'arrivera à rien, au minimum on aura la langue de bois, au maximum on va se disputer. Ce qu'il faut faire, c'est précisément travailler avec les organisations internationales, avec les, comme la francophonie qui travaille là-dessus, avec les ONG, avec les responsables religieux, pour créer le narratif du contre-discours radical. Alors, celui-là est extrêmement important. La concertation entre les religieux, que ce soit au plan de la formation des imams, du dialogue interreligieux au niveau des jeunes, des projets concrets comme ceux d'Ulrich sur le terrain. Mais pour faire quoi ? Pour créer un narratif. Parce que si on ne crée pas le narratif, on laisse le terrain en friche et n'importe qui va venir raconter sa petite histoire de la religion, sa petite histoire du monde et sa petite histoire de la légitimation de la violence. C'est ce qui est le plus dangereux. Donc, de ce point de vue, effectivement, si on assiste à une globalisation du religieux, en quelque sorte, parce que le religieux circule, le religieux se greffe sur des conflits qui sont peut-être pas religieux au point de départ, qui sont culturels, qui sont identitaires, nous sommes d'accord. Mais le point le plus important, c'est la responsabilité des religieux dans les conflits. Pourquoi ? Parce qu'un conflit dans lequel la religion s'insinue peut être résumé à une chose. Quand la citoyenneté s'écroule, vous avez un substitut identitaire à la citoyenneté qui monte à la surface. Ça peut être la langue, ça peut être l'ethnie, ça peut être la religion. Et donc, l'intrusion du religieux dans les conflits, c'est toujours un échec de la citoyenneté. Il ne faut pas que la religion devienne un substitut à des citoyennetés défaillantes. Et c'est là où les religions et les religieux ont un rôle important. Il me reste 0,02 pour dire la chose suivante. Les religieux, ou les groupes religieux, ou les églises, au sens large du terme, les institutions, ne sont pas responsables de la violence qui se fait au nom de la religion. Mais ils sont responsables de ce qu'on fait de la religion.
Donc, qu'est-ce qu'on fait de la religion? C'est aux religieux de dire que ce qu'on fait de la religion n'est pas toujours très religieux. Merci beaucoup de votre attention. Merci pour ces vastes horizons que vous venez d'ouvrir. Alors, la parole est à la salle. On peut prendre quatre questions, brèves ou affirmations. Veuillez lever la main si vous le souhaitez. I've had the pleasure of working with Joseph Maela before because we've actually been working on religion for years to try to see where it's salient and also where it's not. It's very important to keep it out where it's not. Because we're so many, I'll limit myself to questions. I just want to put on record that we do work a lot with youth. We have young Arab voices, we have Mediterranean voices, we now have EU, African Union works with youth. But what is different is we don't address youth because we think they're a ticking bomb. We address them because we think they're interesting, because they represent something. And that would be my first question. Do you think that if you approach youth from the perspective of you are a problem, you get a different kind of set of interlocutors than if you were to see them more generally as something that can be empowered, something that needs to give a perspective? And it goes to the question as to whether all this radicalization is actually driven by religion. Or is your work actually exonerating the very governments who have quite a responsibility in terms of bad governance, police brutality, corruption, et cetera, et cetera? So do you risk becoming a surrogate industry that keeps us from addressing the real questions? And then secondly, you all address Islam. What happens when other religions radicalize this? Are you interested in that? What happens with the spread of evangelicalism? We've seen what's happened in Latin America, but also sub-Saharan Africa. We've seen Buddhism, Hinduism, we see Israel now, the project law of... Thank you for your question. So, there you go. Ulrich, you are prepared to answer to that. Monsieur, in the middle. Je voudrais peut-être faire un petit commentaire, parce que quand j'ai écouté les intervenants, j'ai l'impression que, en fait, le monde, depuis autant que je me souviens, tourne autour d'un même concept. Nous sommes en train de bâtir un monde de compétition et non un monde de complicité. Je m'explique. Pendant longtemps, les gens nous font croire que les Blancs sont meilleurs que les Noirs, les hommes sont meilleurs que les femmes, les capitalistes sont meilleurs que les communistes, etc. etc. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se lèvent et qui disent que oui, les musulmans sont meilleurs que les autres et que forcément, il faut les tuer. Mais quand on regarde, c'est la même chose. Nous avons toujours besoin de nous situer par rapport à l'autre, de nous considérer meilleurs que l'autre. Ça n'a aucun sens. Si Dieu avait voulu d'une seule communauté sur Terre, je pense que nous ne serions pas plusieurs. Donc il faut qu'à un moment que nous essayons de comprendre pourquoi nous avons toujours cette volonté d'être meilleur que celui qui est en face de nous. Ça ne sert absolument à rien. Vous voyez quelqu'un, vous ne l'avez jamais vu, peut-être que vous ne le reverrez jamais de votre vie, pourquoi vous sentir meilleur que lui? Saluez-le et puis passez votre vie. Au Sénégal, par exemple, je donne l'exemple. Au Sénégal, le concept d'étranger n'existe dans aucune langue nationale et nous en avons une dizaine. Le concept d'étranger, vous ne pouvez pas le traduire dans une langue du Sénégal. Ça n'existe pas. Parce qu'au Sénégal, quand vous voyez quelqu'un, même pour la première fois, le terme qu'on utilise, c'est l'autre ou l'invité. Et c'est ce qui explique aujourd'hui qu'au Sénégal, nous avons ce vivre ensemble. Nous n'avons pas besoin de nous situer par rapport à l'autre. Le musulman et le chrétien, parfois, appartiennent à une même famille. Et nous avons des exemples où, dans une même famille, le grand frère est un imam, son petit frère a été cardinal. Donc vous voyez, l'imam, c'est le top là-bas. Ils sont issus de même père et de même mère. Merci, monsieur. On a bien compris votre question. J'ai vu une main là-bas tout à fait dans l'ombre. Vivian Tassibela, I'm working as a consultant for United Nations, and I just came from Mali right now. We have conducted an evaluation also focusing on gender, peace and security, and how the dialogue among young with this religion could be enhanced. I had the pleasure also to talk with young people, and I'm missing right now the socio-economic dimensions of radicalization. Many young men from Gao, Tombuctu have been trained on preventing conflict, on transforming conflict within their communities. But the point is that some of them are being hired by any groups there because they are looking for jobs, they are looking for opportunities. How do you deal with this aspect of socioeconomic dimension in the process of
radicalization. We have the same situation in Boko Haram. I worked 3 years in Boko Haram context covering Cameroon, Nigeria, and Chad. And we have the same situation. People are, many young men are not born Muslim or Christian. They become somehow Muslim because they are of Christian and become radicalized because they are getting a job there. They are getting a way of living, a means of living. How are you dealing with this dimension in your approach? Thank you for your question. We have one more question here and then we'll go for a second turn. Je fais un appel à cette session qui est sur l'interreligieux à l'occasion du centenaire de l'armistice. Tout simplement, ayons une pensée, une prière aux victimes de deux guerres mondiales et aux atrocités qui ont suivi. Je vous remercie. As I said, it's not on promoting religion, and it's definitely not on sidelining one group or favoring one over the other. The good thing with IDOF is it's interfaith from day one. And honestly, I think the only safeguard we really have as secular institutions is to ensure interfaith dialogue and interfaith cooperation. What I've learned in the last 4 or 5 years since I'm dealing with this topic is that interfaith is a kind of a correction in itself. They look after each other. Like if you look in the interfaith big dialogues, KAISID, for instance, the King Abdullah Center on Interreligious Dialogue, they make sure that they always work in interfaith cooperation. And I think this is something what we did from day one in IDOF. We really developed respect for these different cultural, religious, ethnic traditions. And let the youth formulate it. Because for sure, and that tackles also your question from the colleague from Mali, I said it clearly, inequalities is not just a question from my point of view to access to resources. It is mainly driven by that, for sure. But inequalities also is access to education, access to cultural education, access to religious education. We know definitely that as more religious education is out there in the world, the less people are affected by religious extremism. That's a proven study by the UNDP, not by us this time. And I think this is what we have to foster if we want to tackle the inequalities, which are not only socioeconomic most of the time, but they are socioeconomic, social, on cultural access, exactly what I said. I hope I tackled one of the questions at least. Radia, je pense que vous pouvez répondre à la deuxième question qui est plus, presque plus philosophique. Est-ce qu'il est possible de, c'est la question de monsieur du Sénégal, de ne pas se situer dans un, en termes de compétition, en termes de se situer par rapport à l'autre hein? Si j'ai bien compris la question. Oui, merci beaucoup pour cette question. Je dirais qu'on ne peut pas parler, en effet, du lien, de la création de liens entre deux personnes, de l'identité et de l'altérité, si on ne prend pas en considération la question de la justice sociale. Et nous, c'est une question qu'on a beaucoup étudiée au sein de Coexister, se dire, est-ce qu'on peut vraiment se dire qu'on apprend à vivre ensemble si on ne rentre pas dans l'empathie des problèmes que l'autre personne qui est différente de nous vit, les difficultés que l'autre vit, si on n'essaye pas de les comprendre, notamment en termes de justice sociale, alors la création de liens a quelque chose de faussé, puisqu'on ne prend pas en compte, on ne saisit pas la question de l'égalité. Et si on prend en question la question de la justice sociale, de l'égalité, alors il n'y a plus de question de compétition, puisqu'en fait, on va tous vers un même objectif. C'est aussi de se dire que quand on arrive à s'ancrer dans nos racines, qu'elles soient religieuses, spirituelles ou philosophiques, puisqu'à Coexister, on accueille des juifs, chrétiens, musulmans, athées, agnostiques, pour pas qu'il y ait de compétition entre ces races, dans cet enracinement, c'est parce qu'on a un but commun. Et le but commun, c'est l'intérêt général, c'est le fait de se mettre au service, c'est finalement la règle d'or entre toutes les convictions. Et je voulais juste rebondir aussi sur ce que la dame a dit, qui est extrêmement intéressant, de dire, mais finalement, si on s'attarde uniquement sur la question de la religion, comment est-ce qu'on peut combattre les autres causes, finalement, de l'extrémisme violent ? J'ai parlé de rupture tout à l'heure, et si la religion n'est pas la cause
enfin, je suis pas sociologue ou politicienne, mais n'est pas l'unique cause ou n'est pas la cause de l'extrémisme violent, elle peut en être la solution. Et c'est ainsi qu'on peut l'utiliser à des fins, à de meilleures fins que ce qu'elle n'est utilisée actuellement. C'est une source, c'est une ressource, c'est un moyen et c'est pas une finalité. Et c'est en ça que on peut répondre à la question de l'extrémisme. Et à Coélicité, on essaye justement pour ne pas différencier les différentes convictions, de se dire qu'on lutte contre l'exclusion et contre toute l'exclusion. En fait, c'est à la fois l'exclusion au nom d'une religion, au nom d'une conviction, mais aussi l'exclusion à cause d'une religion, à cause d'une conviction. Donc toute la question des discriminations, des racismes, etc. Et que ces deux exclusions-là doivent être combattues en miroir pour ne pas nous-mêmes exclure dans le travail qu'on fait. Joseph, vous brûlez d'avoir 45 secondes pour absolument, compléter. Rapidement. Je suis spécialiste des tournants à toute vitesse. Oui, c'est très bien. Voilà. Pour répondre à Mme Bilde, avec laquelle j'ai eu l'honneur et le plaisir de travailler au moment où le pôle religion existait au ministère des Affaires étrangères, à aucun moment je n'ai personne autour de cette table à parler de l'islam seulement. Nous avons parlé de la religion et bien entendu les utilisations du religieux dans le contexte politique est quelque chose qui est en train malheureusement de se globaliser comme disent les anglo-saxons. Donc il ne s'agit pas non plus de promouvoir le dialogue interreligieux pour ce qu'il est, mais de tempérer par le dialogue interreligieux ce qui peut être contenu de radicalité dans une culture qui a perdu ses racines. Et donc dans la société contemporaine. Et pour répondre à Monsieur du Sénégal, ce qui me semble extrêmement intéressant dans ce que vous avez dit, c'est une tendance que nous avons, sur laquelle nous avons tous à nous battre, ou contre laquelle nous avons à nous battre, c'est ce que j'appelle la réduction anthropologique de l'humain. Quand vous ramenez l'être que vous avez en face de vous, l'altérité, à une seule de ces dimensions, et que cette dimension est une dimension religieuse, en plus que vous ne partagez pas avec lui, effectivement, vous réduisez ce monde de l'autre à la dimension de la religion que vous ne connaissez pas en plus dans la plupart des cas. Et cela, effectivement, le narratif de dialogue interreligieux vise à limiter cette réduction anthropologique à un côté fanatique du religieux. Merci Joseph. Il nous reste 6 minutes. 3 minutes pour les questions, 3 minutes pour les réponses. Mademoiselle ou madame ? We've heard a lot about the importance of engaging young people in this work, but what about the engagement of women, especially women of faith? We know that the rise of violent extremist movements is often associated or linked with targeted attacks against women's human rights. And for instance, ISIL has used violence against women or rape as an incentive to mobilize its fighters. But at the same time, women of faith and women in general play important roles in preventing violent extremism. So how can we overcome these barriers to women's leadership in interfaith efforts? Thank you. Madame au premier rang. I have listened with great interest to all of the noble speakers and all of the other participants. I would like to share some words with you on this subject, written by His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa of Bahrain, who has written a document called the Kingdom of Bahrain Declaration. In this, he addresses all of the aspects we've been discussing. His words begin, "Ignorance is the enemy of peace. It is therefore our duty to share, to learn, and to live together by the tenets of faith in the spirit of mutual respect and love. Love is the oxygen for peace. That's our belief. Understanding and misunderstanding are two words that we need to bring together. Interfaith dialogue is thank of you, madam. Great importance. One more aspect for the panel. There has been we'll a stop new there, chair. And we know that we can come to you to have the whole declaration. But I know the word No, it's not ignorance. The declaration, sir. We have launched a chair Monsieur, in interfaith dialogue plaît. In university. In thank you very much. That's what I wanted to Monsieur, say. Monsieur, s'il vous plaît. Une minute. My name is John Green from Glasnevin Trust, Dublin, Ireland. We are looking back as Europe commemorates 100 years since the end of the First World War. We are in the middle of a decade of centenaries which brought about peace, independence in Ireland, but also two jurisdictions. And I think it's a failure of citizenship that 100 years on, we are still considering these in terms of religion. And I think if you look at Europe itself, we must learn from history. We have been dealing with religious problems in Europe
for over 1,000 years, and it's our failure to face up to that. In Northern Ireland, it is really a point of contradiction at the moment. The people voted to stay in Europe. Their leaders, the politicians, want to stay in the United Kingdom. Yet they want, from transgender, gay rights, abortion rights, they want to be separate. And it is all behind the veil of religion. And it is the failure of our citizens, the independent, the what I call the silent majority, to stand up and be counted. And thank you. Ulrich, on the first question about violence. Working with religious leaders is one of the biggest challenges, as my dear colleague from Finnish Church Aid knows herself. And because why? If you attend big religious leaders' meetings, they will all say, it has nothing to do with our tradition, it's not in the Bible, it's not in the Quran, don't mess it up, you know. I think we don't get anywhere if we don't acknowledge the fact, and this I'm saying now as a theologian, that most of our scriptures and traditions are written in times of war, of crisis, of migration. And for sure, then the scriptures are full of also violent conflicts. But to use these violent conflicts of the past to justify religious or violence now, today, against women, against youth, each second child on the move is abused. This is a mind-boggling figure of the 65 million refugees. Impossible, on the move and in the receiving country. What do we do about that? You know, I mean, these are the challenges, and this is where religious leaders have to take a lead. What we did, we launched a gender platform in this international platform as one of the first things to motivate female religious leaders to take up the issue, bring it into, because in most of the Abrahamic religions, even Asian religions, you find, sorry to say, old, nice, colorful dressed men. You have to work with the whole entity. This is our experience. And with the faith-based organizations who are tackling these different human rights-driven issues. You know, that's not, as I said, it's not per se always successful. Choose carefully with whom you work. That's my advice. Last sentence to the Muslim thing, because I forgot, oh, Merete is gone. Anyway, I do it bilaterally. Radia, you want to say a word? Oui, rapidement aussi sur la question des femmes, qui est une question qui me touche beaucoup. En étant présidente de Coexister, je suis souvent entourée d'hommes, comme aujourd'hui aussi, mais beaucoup entourée d'hommes dans les discussions qu'on peut avoir. Et forcément, les femmes ont un rôle à jouer, non pas en tant que femmes, mais juste en tant que moitié de la population mondiale, pour pouvoir intégrer ces questions-là. Et c'est pour ça qu'à Coexister, on considère que le dialogue entre des institutions religieuses ou des représentants religieux ne doit surtout pas être l'unique place du dialogue interreligieux et interconvictionnel, et qu'on considère les citoyens et les citoyennes comme étant des acteurs et des actrices de l'interreligieux et de l'interconvictionnel, et qu'elles ont le droit, que ces personnes ont le droit, quelle que soit leur représentation, quel que soit leur rôle au sein de leur communauté, qu'elles ont le droit de parler de conviction et de s'impliquer là-dedans et de proposer des vrais changements intracommunautaires et intercommunautaires. Merci. Joseph, je vous donne 30 secondes sur mon temps de parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Moi, je voudrais revenir à la question de laquelle nous étions partis, à savoir que nous avons insisté sur la jeunesse. Mais la culture est une affaire d'échange. La culture est quelque chose de dialectique. Il y a des gens qui forment et des gens qui sont formés. Et en matière religieuse, effectivement, je rejoindrai ce qui a été dit. Ce que j'ai dit précédemment pour répondre à la dame qui a posé cette question, les religieux sont responsables de ce qu'on fait de leur religion. Ça, c'est là. Et le deuxième point de vue, pourquoi nous insistons sur la jeunesse ? Parce que c'est là, effectivement, où c'est l'âge des périls, l'âge de la formation, l'âge de la transmission. L'idée de Dieu dans le religieux, c'est la transmission qui est la plus importante. Et il faut transmettre avec tous les outils qui font que cette transmission ne serve pas à des finalités sociales d'abord, mais à un accroissement de l'humain dans l'être humain. C'est cela que visent les religions. Et donc, promouvoir le dialogue interculturel ou interreligieux, c'est savoir comment les autres font aussi en matière de religion pour faire croître l'humain dans l'humain. Merci. Je m'arrête là, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, j'ai vu au moins 12 mains se lever et déjà,
mais nous avons un temps qui est limité pour cette conversation. J'aimerais, en termes de conclusion, vous faire part d'une expérience qui, à mon sens, résume bien ce qui vient d'être dit, et qui est l'expérience de l'Observatoire Pharos que je préside. Lorsque nous sommes créés en 2012, nous avons dit nous travaillons sur la question de la paix, nous travaillons sur la question du dialogue, nous travaillons sur la question du pluralisme culturel et religieux, et on nous a dit quand est-ce que vous aurez des résultats ? Et nous vous financerons en fonction des résultats que vous pourrez apporter. Et il a fallu se battre pour faire comprendre, et ça a été probablement le premier mot tout à l'heure qui a été prononcé, pour dire que nous travaillons sur le long terme. Nous travaillons sur le long terme, non seulement parce que dans le religieux, nous avons derrière nous du très long terme, avec lequel il faut pouvoir travailler, comprendre, expliquer, mais nous travaillons dans le long terme parce que la paix ne se construit pas en un jour, parce que le pluralisme, l'attention, le respect pour l'autre ne se construit pas en un jour, parce que l'interreligieux, faisant partie de l'interculturel, met en mouvement des dimensions considérables de la vie de nos sociétés. J'aimerais, par conséquent, remercier très chaleureusement Ulrich Nitschke, Radia Bakouch, Joseph Maïla, de nous avoir aidés à vivre cette heure et surtout vous exhorter, chers amis, à poursuivre le dialogue entre vous, avec nous, avec d'autres, parce que c'est une des conditions fondamentales pour le développement de l'interculturel dans notre monde qui est toujours tenté de se refermer sur lui-même. Merci pour votre présence, merci pour les questions qui ont été posées. Excuse pour tous ceux qui ont encore des questions à poser, mais n'hésitez pas à le faire avec nos intervenants. Merci.